les habits qui vous collent au corps, les mèches, toutes ces choses-là, qui sont la mondanité, débarrassez-vous-en. Jusqu'au verset 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je fais mon travail. Parce que je vous aime. Alors, voici. Nous avions parlé sur comment puis-je vaincre. Nous avions dit que pour vaincre, nous devons combattre selon les règles que Dieu a établi dans sa parole. Et nous avons dit que j'avais pris ce sujet parce que le prophète disait: je pense que l'Église devrait faire un petit pas en avant maintenant. Mes frères et sœurs, Dada, je n'ai pas pris ce sujet contre vous ou contre quelqu'un. J'ai pris ce sujet pour que l'Église fasse un pas en avant. Est-ce que je me fais comprendre? Comment puis-je vaincre? J'ai pris ce sujet pour que l'Église fasse un pas en avant. Maintenant, frère Banamdi, dans Dieu tient sa parole, du 7 avril 57, paragraphe 143, j'ai pris ce sujet pour que l'Église fasse un pas en avant. Maintenant, le prophète dit: ça ne se produira pas seulement à un Branham tabernacle ou à un autre tabernacle. Ça se produira chez des individus. Si tout le Branham tabernacle s'assemble dans un même accord, tout l'ensemble avancera. Donc, l'Église doit faire un pas en avant. Mais pour que l'Église fasse un pas en avant, il faut que l'Église s'assemble dans un même accord. Et celui qui comprend dit amen. Formant un seul grand bloc qui agit pour Dieu. Mais s'il n'y a qu'une personne dans ce Branham tabernacle qui avance comme ça, Dieu avancera avec celle-là.
Je pense que l'Église doit faire un pas en avant. Mais l'Église fait un pas en avant si elle est d'un commun accord. Formant un seul grand bloc. Maintenant, si Dieu regarde ici, elle trouve que l'Église ne forme pas un seul grand bloc pour avancer ensemble. Dieu regarde ici. Il trouve que l'Église n'est pas d'un commun accord pour avancer ensemble. Alors, Dieu, comme il ne peut pas échouer, il avancera maintenant avec les individus. Est-ce que je me fais comprendre? Il avancera maintenant avec les individus. S'il n'y a qu'une personne dans le Branham Tabernacle qui avance, ça, Dieu avancera avec celle-là. Alors, je ne sais pas, c'est Dieu qui nous connaît. Quand il nous regarde, comment il nous voit, c'est lui qui connaît. Moi, je peux vous regarder comme ça. Pensez que nous sommes d'un commun accord. Mais quand Dieu lui regarde, il voit autre chose que ce que moi je vois. Mon souhait, c'est que nous soyons d'un commun accord. Mais moi, je ne suis qu'un homme. Ce que je souhaite là peut ne pas être la réalité. Parce que nous vivons dans un temps très difficile. Surtout ici au Katanga. Trop d'hypocrisie. Quelqu'un peut ne pas être d'accord avec vous. Il ne vous le dira jamais. Devant vous, il fera semblant. Mais écoutez ce qu'il dit derrière vous. Voyez là où il va derrière vous. C'est là que vous saurez que il n'était pas d'accord avec vous. Alors, s'il arrive que Dieu nous regarde, il voit que nous ne sommes pas un grand bloc. Nous ne formons pas un grand bloc. Là, alors Dieu commence à regarder chacun individuellement. Vous m'amène. Dites amen. Cette fois-là, il avancera avec des gens, pas en tant qu'église, mais individuellement. C'est comme ça que il fera faire à quelqu'un un pas en avant. Il laisse l'autre là où il était. Amen. Alors il avance avec celui-ci. L'autre là, il le laisse là où il était. Maintenant, quand celui-là n'avance pas, il va dire, cette église n'avance pas. Oui. Cette église n'avance pas, c'est toi qui n'avance pas. Parce que Dieu est en train d'avancer avec quelqu'un d'autre. Ah, je peux entendre votre amen. Et frère Branham dit, avec nous les nations, Dieu ne traite pas avec nous en tant que groupe. Il traite avec nous comme des individus. Alors ne dites pas, cette église n'avance pas. Dites plutôt que moi, je n'avance pas. Et vous savez pourquoi vous n'avancez pas? Vous savez. Parce qu'il y a, il n'y a que Dieu et l'homme qui connaissent ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Alors, pour avancer, il faut une victoire. C'est la victoire qui nous fait avancer. Chaque fois que vous remportez une victoire, vous avancez. Chaque fois qu'Israël a remporté une victoire, il avançait. Alors, après avoir vu
que pour vaincre, nous devons combattre selon les règles que Dieu a établies dans sa parole. Nous avons organisé ces réunions. Dans mon entendement, c'était d'une certaine façon. Mais quand je suis allé devant Dieu, lui, il a changé la façon. Oui, parce que le conducteur de l'église, ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu. Alors nous avons organisé des réunions dans lesquelles nous sommes. J'ai appelé des réunions de prière et de réveil. Dont le but, ce ne sont pas les cris. Vous savez, il peut y avoir des cris vides. Dont le but, ce ne sont pas des tapages. Il peut y avoir des tapages vides. Dont le but, ce n'est pas des danses. Non. Je peux ajouter. Dont le but, ce ne sont pas des prophéties. Écoutez bien, nous avons besoin de la prophétie pour nous aider. Oui, que Dieu nous en donne davantage pour nous aider. Mais, ce n'est pas tout ce dont nous avons besoin. Je vous donne un exemple. Dieu vient aujourd'hui, il vous dit, je te bénirai. Tu es béni. Il vient demain, il te dit, je te bénirai. Tu es béni. Il vient demain, il te dit, je te bénirai. À un certain moment, tu vas douter. Tu vas dire, mais depuis qu'il me promet ça, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Frère Branham a prêché les réalités infaillibles du Dieu vivant. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. À un moment donné, l'homme a besoin des réalités. À un certain moment, l'homme veut voir Jésus-Christ. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Le voir comment? Le voir dans ses œuvres qui ont l'impact sur vous, sur votre vie, sur votre corps, sur votre esprit. Alors le but de ces réunions, que chacun fasse un pas. Je veux entendre votre amen. De là où vous êtes, faites un pas en avant. Nous allons au ciel en faisant un pas en avant. Nous devenons très bien en faisant un pas en avant. Et pour cela, il faut remporter une victoire. Alors le but de ces réunions ici, ce ne sont pas des bruits, mais le but que l'église fasse un pas en avant. Que toi, tu fasses un pas en avant. En remportant une victoire. Est-ce qu'y a-t-il quelqu'un qui doit remporter une victoire sur quelque chose? Oui, nous avons toujours besoin que Dieu vous bénisse. Une victoire sur un péché qui nous importune. Une victoire sur une maladie qui nous tourmente. Même si le médecin a dit que nous ne pouvons pas en guérir, une victoire sur une situation qui nous dérange, une victoire sur une instabilité matérielle qui nous tourmente. Oui, frère.
Voilà le but de ces réunions. Mone kifukuzio ya mikusaniko. Alors nous avons eu 2 jours. Turi kuera mashiku mbiri. De préparation. Ya kutayarisha. C'était ici le mardi et le mercredi. Turi kuya hapa mkazi mbiri na mkazi tatu. Nous sommes préparés avec la parole. Turi tayarisha na neno. Nous avons montré que turi onesha kama. Pour combattre selon la règle de la foi. Jua kombana kufatana kanuni ya imani. Nous ne devons pas avoir de l'incrédulité volontaire. Atupashe kuya na kutokuamini kwa kutaka. C'est une grande préparation celle-là. Ile ni matengenezo matayarisho kubwa ile. Qui fera éclater une grande victoire. Itafanya sima ushindi kubwa ionekanike. Pourquoi? Jua nini? Jésus ne pouvait pas accomplir beaucoup de miracles en ces lieux à cause de leur incrédulité. Yesu akweza kufanya miujiza mingi mule fazi juu ya kutokuamini kwabo. Il était bel et bien là. Alikuwa pale. Il était le Dieu tout puissant. Alikuwa Mungu wa uwezo yote. Il était le faiseur des miracles. Alikuwa mwenye kufanya miujiza. Il voulait bien les faire. Alipenda kuifanya. Mais lakini il ne pouvait pas en faire autant. Akweza kuifanya zaidi. À cause juu de leur incrédulité. Kutokuamini kwabo. Alors, pour combattre, selon la règle de la foi, nous ne devons pas avoir de l'incrédulité volontaire. Celle dont il est question dans Hébreux 10:26. Là où il ne reste plus de grâce, de miséricorde, de sacrifice. Si ce n'est l'attente d'une ardente colère de Dieu. Ainsi, nous avons montré que pour cela, il nous faut confesser toute incrédulité qui nous a empêchés de vivre une parole que nous avons entendue, que nous connaissons bien. Parce que celui qui sait, qui connaît faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Et là, il n'y a pas de foi. Il y a de l'incrédulité volontaire. Alors, il faut confesser cela. Sacrifier cela à Dieu. Pour que Dieu le dépose sous son sang. Amen. Sous son sang qui purifie. Afin de ne pas vous l'imputer. Pour qu'il n'y ait rien d'autre dans votre cœur si ce n'est la foi. La règle de la foi. Qui vient de la parole que nous entendons. Que nous comprenons. Et que nous vivons. Amen. Et puis, la deuxième chose, la parole de Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. Tout ça veut dire quoi? Sans exception. Mais frère Madame a dit, c'est à condition que nous ne doutions point. À condition que nous ne doutions point. Et c'est là où nous avons dit, il ne faut pas avoir de doute dans votre esprit. Dans votre conscience. Parce que le doute, c'est un démon. Même pour la création des écureuils. Dieu a dit à Frère Branham, dis-le et ne doute pas. Parce que si tu doutes, ça n'arrivera pas. Mais si tu ne doutes pas, ça marchera. Et quand Pierre n'a pas douté, il a marché sur l'eau. Mais quand il a sombré, Jésus a dit, pourquoi as-tu douté? Qui peut dire amen à ça? Oui.
Et laissez-moi vous dire très humblement que on peut dire qu'on a la foi, mais le doute, c'est un grand problème. Parce que c'est caché dans la conscience. La bouche peut confesser la foi, mais le tout est caché dans la conscience. Shaka iwe yenye kufichwa ndani ya zamiri. Et c'est là où, frère Madame ni mule jo dogo anasema, Dieu surveille notre conscience. Mungu ekunangarishisha zamiri yetu. Elle doit être dégagée de tout. Inapasha kuachana na byote. Quelqu'un peut douter et vous ne savez pas qu'il doute. Il peut vous confesser qu'il croit. Alors que quand Dieu regarde dans sa conscience, ce démon-là appelé doute est présent. C'est pour cela que quelquefois, même quand vous priez pour quelqu'un et que rien ne lui arrive, ne commencez pas à vous mettre vous-même en question. Comment m'inamombeya biendeki? Comment j'ai prié, ça ne marche pas. Frère Branham dit, il faut sa foi et ta foi. Imani yake na imani yako. Lui ne doit pas douter et toi tu ne dois pas douter. Ye aipashwa shakie na we aupashwa kushakia. Et le doute, na shaka, c'est un démon qui se cache dans la conscience. Ni démon amanya kujificha ndani ya zamiri. Avec vos yeux, vous n'allez pas le voir. Mais l'œil surnaturel du Dieu Tout-Puissant, l'œil invisible du Seigneur Jésus, perce le regard jusque dans la conscience et voit ce qui s'y trouve. Douter, c'est un démon. Kushakia ni demona. C'est pour cela que, écoutez, mon prophète dit, si vous ne doutez pas, ça marchera. Kama aushakie bitatendeka. Mais si vous doutez, ça ne marchera pas. Kama unashakia bitatendeka. Et quand vous doutez, quelqu'un peut ne pas le voir. Parce que c'est caché. C'est pour ça que Frère Madame nous a dit, nous devons lutter contre cela. Pour dégager notre conscience de cela. En disant, au diable, Satan, je doute de mes doutes. Mina shakia, mashaka yangu. Et en disant à Dieu, mwambia Mungu, enlève de moi tout brin de doute. Tosha ndani yangu shaka yote. Vous savez que dans la création des écureuils, au début là, Frère Branham prononçait la parole et l'écureuil venait immédiatement. Il est arrivé à au dernier écureuil. Il a prononcé la parole. Rien n'est arrivé. Il a attendu. Rien n'est arrivé. Il a attendu, rien n'est pas. Non, non, non. Tu as douté. Il a dit non. Non. Il dit non. Il dit rentre. Asa rudia. Si tu n'as pas douté, kama ushaki, ce que tu as dit doit arriver. Kilo risema, kina pasha utendeka. Et c'était arrivé. Na birifika vile. Alors, basi, Dieu, Mungu, par la parole du prophète, kwanja ya neno ya nabii, nous a mis dans un travail personnel. Parce qu'il a dit, Frère Madame a dit, moi, j'aime voir les gens se débattre.
Dites amen. C'est Mamina. Vous savez, l'homme noir veut qu'on lui donne tout sans travail. Vous voyez, même aujourd'hui, là, si Félix vient, il dit que chacun reste chez lui à la maison. Le matin, nous enverrons des gens avec l'argent et la nourriture. Et les habits. Restez chez vous. Moi, le président, je vous prendrai en charge. Président, mitabia bushito bwenu. Restez chez vous. En 2023, qui va passer? En 2023, où l'atapita comme élection de nani? Tout ce met tout en mouage. Disons les choses clairement. S'il fait ça, dites-vous tous congolais, restez chez vous. Moi, le président, je vous prends en charge. Et vous voyez le matin, motoka ya leta inakuja. Gari ya serikali inafika. Ah, c'est Jean Sumbanga. Ah ouais, les Jean Sumbanga. $2,000. $2,000. De Félix. Il y a Félix. Tu ne travailles pas. Automic. Toi, c'est casse. Ouais, les casse. $3,000. $3,000. Toi. Oui. $2,500. En 2023, qui va passer? 2023, où la ta wina ni nani? Où la ta wina ni nani? C'est ça, l'homme noir. Je veux qu'il est moutou mou chéko. Il aime qu'on lui donne tout. En appel de bambache, biote. Moi, j'ai beaucoup apprécié une fois j'étais à un supermarché. Cet homme-là m'avait beaucoup appris. On a trouvé là les gens qui faisaient le marketing de Tigo. Et ils donnaient gratuitement les cartes SIM de Tigo. En disant, il y a même des unités là-dedans. Alors, l'homme-là, il descend de sa voiture. Il veut aller. On lui parle. On lui tend la carte. Il dit, c'est combien? C'est gratuit. Il dit, non, comme c'est gratuit, je prenais ça. Vous allez me donner gratuitement comment? Ou alors, il y a quelque chose de faux. Non, prenez. Il est parti. Mais je l'ai regardé. Ce que cet homme vient de faire, c'est une leçon. Et moi, j'avais déjà pris. J'ai honte. J'ai mis dans ma maison, je ne l'ai jamais utilisé. Parce que il m'a appris une leçon, ce monsieur. Vous devez utiliser quelque chose pour lequel vous avez fait aussi quelque chose. C'est comme ça mon prophète dit. J'aime voir les gens se débattre pour avoir la nouvelle naissance. J'aime les voir se débattre, sangloter, pleurer, et tout cela pour avoir une naissance originale. Et c'est ce qui a été fait depuis le jeudi. Je ne sais pas, j'espère que ça a été fait. Moi, je l'ai. Pour ma part, je l'ai fait. Et je crois que je suis suffisamment prêt pour avoir encore une autre victoire aujourd'hui. Et faire un pas en avant. C'est ce que nous allons faire les après-midi, Dieu voulant. Et exceptionnellement, demain soir, Dieu voulant. C'est une séance là. Il est ma réunion bir. Ok. Maintenant. Ça. Avant d'aborder ces réunions de prière pour ce soir et demain. Bien sûr, pas pour tout le monde peut-être. Mais
celui qui a un ennemi à vaincre. Est-ce que je m'explique bien? Celui qui a un ennemi à vaincre, soit pour son âme, soit pour son corps, soit pour sa vie. C'est ce que nous ferons comme le Seigneur nous conduit. Mais avant d'aborder cela, dans les 20 ou 25 minutes ici, je voudrais vous expliquer ce qui doit se passer cet après-midi. Et demain, ce qui doit se passer pour que vous qui avez besoin d'une victoire, ce qui va vous apporter la victoire, c'est ce que je voudrais vous expliquer pendant quelques minutes. Nous venons de lire dans Exode 23. Là où Dieu dit aux enfants d'Israël, voici, j'envoie un ange devant toi. J'envoie qui? Un ange devant toi. Mais Moïse était là. Et il marchait devant le peuple. Mais Moïse n'était pas cet ange dont Dieu parlait. Moïse était un ange naturel. Celui-là était un ange surnaturel. C'est celui qui a rencontré Moïse dans le buisson ardent. C'est celui que Josué a rencontré autour du Jourdain. Avec une épée dans sa main. Quand il lui a posé la question, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens maintenant. Josué a compris que c'était le même âge du buisson ardent. Que Moïse avait ôté ses chaussures, lui aussi a ôté ses chaussures. C'est cet ange-là. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Vous verrez que ce n'était pas Moïse, parce que ce n'est pas Moïse qui les a conduits dans la terre promise. Est-ce que vous m'entendez? Vous savez que Moïse a terminé sa course où? Dans le désert. Mais cet ange, lui, c'est lui qui devait faire arriver Israël dans la terre promise. Donc ce n'était pas Moïse. Toutes les victoires qu'Israël a eues. Qu'est-ce que la Bible dit? Défile encore. Mais si tu écoutes sa voix, la voix de cet ange, sa voix parlait par Moïse. Parce qu'Israël n'avait pas deux voix. Israël n'avait qu'une seule voix. C'était la voix de l'Éternel. La voix de cet ange ici. Mais il l'entendait au travers de Moïse. Est-ce que je peux vous parler? Écoutez-moi bien. Même quand nous appelons le message de Frère Branham, en réalité, ce message n'est pas le message de Frère Branham. Il y a un ange que Dieu a envoyé pour préparer Rebecca afin d'aller à la rencontre d'Isaac. Mais cet ange-là parle par William Marion Branham. C'est pourquoi Frère Branham
dis, je vous enseigne la Bible de la manière dont cet ange m'enseigne. Alors écoutez, si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, ce que la parole dit, ce que la parole dit, qu'est-ce qui va arriver? C'est la règle de Dieu. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Écoutez bien, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Essiens, chez les Ephraïsiens, chez les Ébusiens, et je les exterminerai. Je vous pose maintenant la question. D'où venait la victoire d'Israël? Cet ange-là. Vous retirez l'ange. Plus de victoire pour Israël. C'est pourquoi quand bien même Dieu a retiré Moïse, Israël a continué à vaincre à cause de cet ange ici. Monsieur Cheke, amen. Je n'entends pas amen. Écoutez, avec ça, aucun prédicateur ne peut se vanter que vous avez la victoire à cause de moi. Non, le prédicateur fait son travail de vous répéter les bases, de vous répéter William Marion Bana. Mais votre victoire ne vient pas de lui. Il y a un ange qui est censé vous apporter la victoire. C'est pourquoi moi j'ai difficile à dire j'ai fait. Parce que je comprends toujours que ce n'est pas moi. C'est l'ange là. Allons très rapidement. Il faut que je parle pendant peu de temps seulement. Écoutez. Le jour où Pierre est en prison. Vous m'entendez? Il y a une réunion de prière dans la maison de Jean-Marc. Demandant une victoire pour Pierre qui était en prison. Vous êtes avec moi. Pierre est en prison. Et dans la maison de Jean-Marc, il y a une prière. Demandant une victoire pour Pierre qui est en prison. Quand Dieu exauce la prière, il décide de donner la victoire à Pierre qui amène cette victoire-là. La Bible dit, alors que Pierre était menotté en prison, un ange. Malaika wabwana. Monsieur Spence, je suis là quand vous t'assez amen. C'est pas si vous allez dire amen. Un ange. Malaika est descendu tout droit. Paf. Anashuka mara moja paf. Il se met à la première porte. Anashuka pa mlango ya kwanza. Inafungia yeye yenyewe. Deuxième porte. Mlango ya pili. Inafungia yeye yenyewe. Quel magnétisme. Ah, ni mambo kai ilikuwa natenda pale. Quel magnétisme! Jusque là où était Pierre! Arrivé là où était Pierre! Pendant tout ce temps, dans la maison de Jean-Marc, Seigneur, donne-nous la victoire! Seigneur, donne-nous la victoire! Mais qui amène la victoire? D'où viendra la victoire? Un ange dans la prison!
Il réveille Pierre qui dormait. Pierre se réveille. Il enlève les chaînes aux pieds, aux mains. Il dit, lève-toi. La Bible dit, Pierre pensait qu'il est rêvé. Sans savoir que c'était une victoire réelle que Dieu lui donnait. Lève-toi. Pierre se lève. Suis-moi. Il commence à suivre qui? Première porte. Deuxième porte. Il arrive dehors. Il ne le dit pas. Asse wende. Et lui s'en va. Na ye pet na malaika nenda. Pierre s'en va. Petro nenda. L'ange s'en va. Malaika nenda. Pierre s'en va. Petro nenda. L'ange s'en va. Malaika nenda. Pendant ce temps, il est toujours en train de prier. Pierre arrive à la porte. Il frappe. Une femme vient regarder. Mais c'est Pierre. Ni Petro. À cette heure. Oui, wakati Isa. Il va le dire aux autres. Celui-là dit non. C'est son ange. C'est sa théophanie. Les théophanies yake. Il continue à toquer. Quand il les ouvre. Banafungula. Pierre rentre. Petro ningi. À cette heure. Isa. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini rifanshika. Nous ne sommes en train de prier pour que Dieu te donne la victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini Pierre raconte d'où est devenue sa victoire. Elle est devenue d'un ange. Vous nous faites très bien. Suivez-moi très bien. Ce qui doit se passer. Il n'a pas chaque fanchika. Pour que vous ayez une victoire. Je vous parle de Ushindi. C'est quoi? Nini? Vous avez combattu selon les règles. On a combattu avec Fatana Makanuni. Maintenant vous priez. On a combattu. Pour avoir une victoire. Vous parlez de Ushindi. Qu'est-ce qui doit se passer? Nini n'a pas chaque fanchika. Pour que vous ayez cette victoire. Je vous donne le Ushindi. Notre Seigneur Jésus est dans la tombe. David avait prophétisé. Il ne laissera pas son âme dans le séjour des morts. Ni son corps connaître la corruption. Il devait vaincre la tombe. Sortir de la tombe. Mais comment est venue la victoire sur la tombe? La Bible dit, alors, il y a un tremblement de terre. Oui, un ange descendit du ciel. Est-ce que j'ai une église qui peut dire amen? Il y a un tremblement de terre. Oui, un ange descendit du ciel. Pourquoi? C'était le moment d'une victoire sur la tombe. La Bible dit, l'ange descend du ciel. Il roule la pierre. Écoutez, il roule la pierre qui était le sceau romain. Cet après-midi, un ange va descendre du ciel, va rouler une pierre, va déplacer les paroles des hommes pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Je ne le connais pas ce quelqu'un là. C'est peut-être toi, je ne sais pas. C'est peut-être toi, je ne sais pas. Mais à chaque fois qu'il y a une victoire, un ange doit venir pour apprendre la victoire. Il roule la pierre. Un seul. Mais c'était une grosse pierre. Frère Branham dit, il avait fallu 24 personnes bien formées des militaires pour rouler cette pierre-là sur la tombe. Mais lui, quand il descend, il descend seul pour faire un travail de 24 personnes. Laissez-moi dire ceci. Un seul ange de Dieu suffit pour faire le travail
travail d'une multitude de gens. Donc, il y a un cage, il y a battu Mingi. Oh. Je vous explique ce qui va arriver. Nous n'avons pas tiré, il est africain. Il roule la pierre. Anatoche Djoué. Et il s'assoit dessus. Nanekala Paledjou. Et notre Seigneur tombe. Na bwana weto natoka na fufuka. Puis Marie arrive. Kisha Maria nakuja. Il trouve qui? Anakuta nani? L'ange. Malaika. Assis sur la pierre. Mwenye kuikala pa jiwe. Il pense que c'est le jardinier. Anas... Toutes ces choses vous connaissez. Anasema ni jardinier. Et puis l'ange lui dit. Malaika anamwambia. Il n'est plus ici. Anatena apa. Il est ressuscité. Anesha kufufuka. Il vous a précédé à Galilée. Anatangulia mu Galilaya. Comme il vous l'avait dit. Savila limiambia. Allez dire aux disciples. Ndio mwambia banafunzi. De le suivre là-bas. Bamufate mu Galilaya. Je ne peux pas continuer. Ah, Michel, vous connaissez la diamingue. Des visions de William Branham. Ono ya William Branham. Paragraphe 13. Kifungu wake ya 13. Ce qui va se passer, c'est quoi? Il est afanchika ni nini? Ce qui va vous amener la victoire, c'est quoi? Il est akuletea ushindi ni nini? Des visions de William Branham. Oh non, il y a William Branham. Paragraphe 13. Qui fungo qui a commis la tête. Et environ une nuit après ça. Na dakika bushiku moya kisha ile. Le Seigneur m'est encore apparu un matin. Bwana arinyoni karikete na asubuhi. Presque au lever du jour. Ah asubuhi. Elle m'a montré une infirme horriblement contrefaite. Ah arinyoni se mtu moya kwa kilema kabisa mwali ambaye. Qui allait être guéri. Mwenyara pasha kutunzwa. Frère Branham, Dieu lui montre. Mungu anamuonesha. Une femme. Mwanamuke. Bon, je lis ça alors. Affreusement estropiée. Moi, je lisais la voix de Dieu. Je ne sais pas ce qu'elle traduit. Une infirme. Qui ouette. Horriblement contrefaite. C'est que mwanamuke moye wa kilema. Et que moi, kilema qui a kibaye. Affreusement estropié. Mais qui allait être guéri? Mais aripashwa kutunzwa. Qui allait vaincre sa maladie? Aripashwa kupata ushindi wa magonjwa yake. Qui allait vaincre son infirmité? Aripashwa kushindwa bulema bwake. Frère, ne vous pas qui est venu kunasema. Je parle comme je parle là. Et bien nous kunasema shibina pita kushima kumbele ya don. Amuyevi. C'est que je dis ça dépasse que se tenir devant un don. Vous ne savez pas ça? Amuyevi. Ne savez-vous pas cela? Et alors j'ai dit, na kisha binasema, eh bien, Zuri. Je vais probablement découvrir où elle se trouve. Kabisa mitavumbula, anajikuta wapi. Alors je suis allé, je coupais l'eau sur, je crois que c'était vers la 8e rue à New Albany. Katiana mai mu 8e rue, mu New Albany. Parce que là, travaillait. Arukwa natumika ile kazi. Travaillait à la régie des eaux. Arukwa tuka kazi ya maji sa régie des eaux kwetuku. Je suis allé couper l'eau. C'était une maison à deux logements. Et je craignais d'avoir coupé l'eau de deux côtés. Un prophète qui travaille à la régie. Toi, tu ne peux pas travailler à la régie. Tu veux seulement qu'on te donne gratuitement l'argent. Un prophète de, comme de la calibre de Frère Branham qui travaille à la régie. Il est allé couper l'eau, la fourniture d'eau. Kata, à quoi peut facturer? Kata, Frère Branham. Frère Branham, il est allé couper les fournitures d'eau. Oui, ne pas. Quand tu me rages, il y a moi une licencié. Ah, moi je suis licencié. Moi, il y a ces frères, maintenant, on a coupé, oui. Toi, tu ne sais pas que frère, on te dépasse. Vrai ou faux? Quoi, il y a au bongo? Mais on a tout mis qu'à régie. Ah, et on a caché un amas. Il travaille la régie, coupant les fournitures des eaux. Il apporte les factures.
Je craignais d'avoir coupé l'eau de deux côtés. Ah, mire, ça congo pas, je coupe endo kata maji ngambo tembire. D'un côté les gens avaient déménagé. Ngambo moya bantu bariyama. Et de l'autre côté les gens s'y trouvaient. Kugambo le manyumba ya mushakamina. Bantu bwo nekala ingambo na ingambo. Les gens vivent de deux côtés. Il est allé couper les eaux. Alors je suis allé du côté où il y avait les gens. Celui qui était occupé. Et j'ai frappé à la porte. C'était des gens vraiment pauvres. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas payer la facture. Il faut on est allé couper l'eau. Et une jeune fille ravissante est venue. Assez pauvrement vêtue. Elle a dit, que désirez-vous? J'ai dit, voudrez-vous ouvrir le robinet pour voir si l'eau est coupée? Elle a dit, oui, monsieur. Et il y est allé. Elle a dit, non, l'eau coule encore. J'ai dit, merci. Et sa mère qui était alitée s'appelait Madame Marie Der Onanian. Elle était arménienne. Son fils était arrière, je crois, dans l'équipe de base de football de New Albany. Et elle, sa fille, allait à l'école secondaire. Elle s'appelait Dorothy. Dorothy m'a dit, n'est-ce pas vous l'homme de Dieu qui a opéré cette guérison ici à l'hôpital l'autre jour? Il était parti pour couper la fourniture des eaux. Ce n'est plus l'eau. C'est devenu autre chose. N'est-ce pas toi l'homme de Dieu qui a opéré cette guérison ici à l'hôpital l'autre jour? L'homme de Dieu, William. Combien croyez-vous qu'il est l'homme de Dieu? Ma mère désire vous parler. Et je suis entré. J'ai dit. Il a laissé d'abord le problème de couper la fourniture d'eau. Il commence d'abord un autre problème. Elle m'a dit qu'elle était alitée, infirme. Elle était infirme, alitée depuis 17 ans. Depuis la naissance de cette jeune fille. Et donc la jeune fille avait 17 ans. Et alors je lui ai dit que. Elle a dit, est-ce vous l'homme de Dieu qui a guéri cet homme-là? J'ai dit non, madame. Je ne suis pas un guérisseur. J'ai tout simplement prié pour ce malade. Ça m'avait été montré par quelque chose. Il m'avait dit ce qu'il en était. Je ne savais pas comment appeler ça. Une vision ou bien quoi? Je ne savais pas encore ce que c'était. J'étais encore tout jeune. Célibataire et tout. Frère Branham célibataire, il travaille à la régie. Hier, quoi, célibataire, on a tenu à courir régie. Toi, tu es célibataire. Moi, vous célibataire. Licencié en économie. Licencié en économie. On a ma dossier pas qu'il dit qu'on me. Tu as des dossiers à main tout le temps. On a changé un investisseur. Tu attends que les investisseurs viennent. Takalamouk. Brother, on a essayé de marier vous jeune. Oh, t'as ouan à 50 ans, oui. Oula, maman dit, Mohan et Kiana, toi tu vas marier avec 50 ans. Cette dame m'a demandé de prier pour elle. Ah, oula, t'as dernier bien, ils m'ont payé. Et je lui ai dit, je veux d'abord prier. Et puis si le Seigneur me le montre, je reviendrai. Et puis quand je suis allé prier, je suis allé chercher frère Georges. Je lui ai dit, c'est elle la femme dont je te parlais. Au sujet de laquelle j'avais prié. Je sais que c'est la même femme qui est avec moi. Et nous sommes allés là-bas pour prier. Je vais à combat. Je peux dire une chose. Il est allé avec frère Georges. Arenda Nandou Georges. Bon, maintenant, c'est tout. Ah bon, je laisse.
Et nous sommes allés là-bas pour prier. Mais je parle même comme je le sais que je parle. Comment toi tu peux croire qu'il n'y a que toi qui peux prier pour les gens et les gens guérissent? Branham, c'est lui qui, à qui Dieu a montré. Mais il va prendre qui? George. Laissez-moi vous dire ceci. Quand vous voyez un prédicateur qui veut tout faire lui-même, c'est un orgueilleux. Même si Dieu l'a appelé, il doit croire que Dieu a aussi appelé les autres. Pas lui seul. Apana ye peke yake apana. Nous sommes allés là-bas pour prier. Alors cette jeune fille de 17 ans. Évidemment, moi je n'étais qu'un jeune homme. Elle avait un frère d'environ 6 ou 8 ans. Quelque chose comme ça. Il y avait un sapin de Noël dans la maison. C'était juste après Noël. Et ils se sont placés derrière ce sapin de Noël pour se moquer de moi. La fille là et son frère derrière le sapin de Noël pour se moquer de frère Branham. Se moquer comment? Écoutez. Rétablir leur mère. Kutunza mama yabo. C'est homme ici. Maman moui état. Notre mère dans cet état. Les médecins ont échoué. Seulement celui-ci. Non. Je lui ai dit que le Seigneur allait la guérir. Oh, qui peut dire amen? Je peux dire aussi. Le Seigneur guérira quelqu'un cet après-midi. Je ne sais pas qui. Je suis nani. Frère Georges et moi, nous nous sommes mis à genoux pour prier. Frère Georges et moi, et quand je me suis mis à prier pour la victoire de cette femme, eh bien, cet ange que je vois, celui que vous voyez sur la photo, je l'ai vu suspendu au-dessus du lit. Ah. Il est venu apporter quoi? La guérison. La victoire. Qui peut dire amen? Je l'ai vu suspendu au-dessus du lit. Eh bien, j'ai étendu le bras. Je lui ai pris la main. J'ai dit, Madame Oanyan. Actuellement, elle dit à New Albany là. Elle est son mari, sa famille. Et je dis, Madame Oanyan, le Seigneur Jésus m'a envoyé. Il a envoyé qui? William Branham. Mais que vient faire l'ange? Amen. Il a envoyé qui? William Branham. Mais que vient faire l'ange? Cet après-midi. Qui va prier? Moi je veux prier. Vous allez prier. Mais Dieu viendra faire l'ange. Je lui ai dit, Madame Oanyan, le Seigneur Jésus m'a envoyé. Elle m'a dit, avant que je vienne, que de prier pour vous et que vous alliez être rétabli. Levez-vous. Et soyez rétablis au nom de Jésus. Je vous dis, je pose la question. Qui prononce la parole? William Branham. Que l'ange est venu faire quoi? Que
Qu'est-ce qui va se passer pour votre victoire, pour votre guérison, pour votre mieux-être? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que je voulais vous expliquer. Elle avait les jambes atrophiées, repliées sur elle. Avec sa Bible en arménien contre son cœur, elle a commencé à avancer vers le côté du lit. C'est quoi ça? Elle a mis sa voix à l'œuvre. Pas ce que nous savons aujourd'hui. Elle a commencé à avancer vers le côté du lit. À ce moment-là, elle, alors Satan m'a parlé. Il a dit, si tu la laisses toucher le sol, elle va se casser le cou. En descendant de ce lit élevé. Satan parle au prophète. Qu'en est-il de vous? C'est là qu'il voulait semer le tout dans la conscience de Frère Branham. Satan voulait introduire ce démon-là de tout dans la conscience de Frère Branham pour qu'il le doute. J'ai eu peur pendant un instant, mais j'avais toujours su que ces visions. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Ce qu'elle m'avait dit était toujours juste. Alors je suis allé de l'avant. Frère Branham a refusé d'écouter Satan. Il a refusé de laisser le tout entrer en lui. Ah, il est allé de l'avant. Il peut dire amen. Et qu'il n'y a pas de doute, ça marchera. Je l'ai quand même laissé descendre du lit. Et Dieu m'en est témoin. À l'instant où elle allait sauter du lit, le lit était élevé. À l'instant où elle allait sauter du lit, ses deux jambes se sont redressées. Je peux acclamer le Seigneur Jésus. Mikulu yake mbili na nyoloka. Mais n'oubliez pas. Mushisabu. Qui a amené ça? Nani alileta ile? Il était où? Malaika alikuwa wapi? Suspendu au-dessus du lit. Juu ya kitanda. Sa fille qui se moquait là. Ah, ule bintu yake mwenye alikuwa anamcheka. A poussé un cri. Ari tawala na miko yangu. En se tirant les cheveux. Kukokota nywele yake. Elle est sortie dans la rue en courant. De toutes ses forces pour voir quand il y a une victoire, il y a des cris. Quand il y a des victoires, il y a la joie. Quand il y a des victoires, il y a de l'émotion. Oh, je peux dire amen à ça. Elle qui se moquait, mais ce qui me fait du bien, c'est quoi? Dieu n'a pas tenu compte de ses moqueries. Dieu a tenu compte de William Branham et de l'ange qui était suspendu au-dessus du lit. Qui peut dire amen? Écoutez la suite. Les voisins sont venus de partout. On a dit que les membres ont été mis. Regardez la fin. Des voisins sont venus de partout. Et elle était là pour la première fois depuis 17 ans. Elle allait et venait dans cette pièce. Elle allait et venait.
Et en louant Dieu. Je suis parti tout de suite pour m'éloigner de là. Il n'est pas resté là pour dire. Vous voyez ce que je fais. Moi. Dans un pour prier, je termine. Zawadi ya kipeke mina maliza. Paragraphe 145. Kifungwa kia 145. Écoutez. Musikie. L'imposition des mains ne vous amènera pas la victoire. Kukwekea mikono hakutakuletea ushindi. On peut vous imposer les mains 1000 fois. Bande kukwekea mikono mara 1000. Si l'ange ne descend. Kama malaika shishuke. Là où vous êtes. Pale wewe wiko. À vos côtés. Pembeni yako. Pour se suspendre même sur vous. Yako. L'imposition des mains, c'est zéro. Kukwekea mikono ni zéro. Vous n'avez pas la brochure. Je vais la lire ici. Alors, brochure, n'te isoma. Dons appropriés, prof 145. Zawadi kipekee, kifungo 145. Date, hein? Laissez-moi vous donner la date. Si vous me partiez à Taré à date. C'est ce que je voulais expliquer à l'église ce matin. Du 22-12-63. Il y a le 22, merci. Accent. Frère Madame dit. Oh Dieu. Oh Mungu. Puisse-t-il se détourner de cela? J'ai pris la prière juste au milieu. Et venir à la vie. Puisse-t-il se lever? Et que les anges de Dieu descendent. Avec les dons de la vie éternelle. Seigneur. Et qu'il puisse aller de victoire en victoire. Est-ce que vous avez compris? Puisse-t-il s'élever? Et que les anges de Dieu descendent. Avec les dons de la vie éternelle. Que les anges descendent, pourquoi? Seigneur, avec la descente des anges, qu'il puisse aller de victoire en victoire. Je veux que vous disiez amen. Il n'y a pas une victoire sans la descente d'un ange. L'ange doit descendre. Se tenir aux côtés de vous. Se poser même sur vous. À ce moment-là, là, vous irez de victoire en victoire. C'est pourquoi l'épouse du temps de la fin va tout vaincre aujourd'hui. J'ai dit bien, elle va tout vaincre aujourd'hui. Aller dans l'enlèvement à cause de la descente de cet âge dans la constellation. Le cet âge de la constellation amène la victoire à l'épouse. La victoire sur le péché. La victoire sur l'incrédulité. La victoire sur la maladie. Et même la victoire sur la pesanteur. Et l'église va s'envoler dans la gloire. Les dénominations ne peuvent pas avoir de victoire parce que les sept anges ne sont pas allés là. Ça ne les concerne pas. Ah, je vais attendre votre amen. Les catholiques n'auront pas de victoire parce
que les sept anges ne sont pas allés vers eux. Mais vous, la dame Jésus, l'épouse du Seigneur Jésus, oh madame Jésus, les sept anges sont venus pour vous. C'est votre affaire, l'affaire de la rédemption. Vous aurez la victoire. C'est pourquoi vous remarquerez que avec l'affaire de la distanciation ici, nous n'imposerons les mains à personne. Et vous n'en avez pas besoin. Mais vous comprenez d'où votre victoire va venir. Pas de main, pas de main d'un prédicateur. Votre victoire viendra d'un ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel. Oh, qui peut dire amen? Si simplement il se déplace, il arrive là où vous êtes. Il se tient à votre côté. Vous savez la victoire. S'il quitte là, il entre là-bas. Il arrive là, à côté. Vous savez votre victoire. S'il quitte là-bas, il arrive ici. Il se met à côté. Vous savez votre victoire. Oh, qui peut dire amen? C'est ce qui va se passer. Pas l'affaire des mains d'un pécheur, pas l'affaire des mains d'un simple homme, non, mais l'ange du Seigneur va aller comme ça. Il se tient à côté. Vous savez votre victoire. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.